Allô, bonjour, c'est toujours Cathy. Un autre petit tutoriel sur comment créer un compte. Et là, je vais vous montrer comment créer un compte sur MSN, Hotmail, histoire de vous montrer comment on crée encore une fois un autre compte. Je clique sur MSN France. Après, c'est qu'une question de goût, hein. Vous n'êtes pas obligé de choisir cela, mais vous aurez au moins la possibilité de le voir sur Yahoo, sur Gmail et sur Outlook.com. Donc, je suis bien sûr MSN. Si j'ai un compte, je me connecte. Comme je n'en ai pas, je vais décider Outlook.com. Je clique dessus et je vais, à partir de là, me créer une autre boîte mail sur Outlook. Je n'ai pas de compte, donc je vais aller chercher ici Créer un compte maintenant, même principe que Yahoo et Gmail. Je clique dessus et je vais devoir remplir tout un formulaire comme d'habitude. Je vais mettre prénom Robin. Je prends les noms de dessins animés. Et je vais écrire des voix ici. Voilà, nom d'utilisateur. Donc je vais indiquer Robin. J'espère que des bois. Voilà, Robin des bois, @outlook.fr. Ça sera mon autre boîte mail. Voilà, ici je crée bien les... Alors Robin est déjà pris, hein, je m'en doutais un petit peu, on va dire Robin des Bois, et on va mettre un numéro 250 à côté, comme ça c'est fait. J'espère que ça va aller. Et je crée bien évidemment un mot de passe. Donc mon adresse mail robindesbois250@outlook.fr est disponible. Pas de souci. Alors comme pour les autres boîtes mail, j'indique un mot de passe afin de pouvoir ouvrir ma boîte mail. Le mot de passe, je ne le dis pas, évidemment, je le répète, ne peut dépasser 16 caractères. Donc c'est pas grave, je vais en mettre un autre. Voilà. J'espère que ça va aller. Et je le retape. Voilà, ça marche. Selon les boîtes mail. Ça dépend. On vous indique ce qu'il faut. Donc, pays France, code postal, on va mettre 75 010. Voilà. Et une date de naissance. Sélectionner sexe, je suis une femme. Et le numéro de téléphone. Ici, France. Numéro 6, 05, 12, 24, 13. On va voir, hein, j'ai mis au pif. Ainsi, on vous demande une adresse de messagerie de secours si vous voulez. Vous pouvez évidemment mettre une autre, votre adresse de messagerie, une autre adresse de messagerie, ce qui vous permet, si vous avez un problème, au moins d'avoir des messages sur cette messagerie et entrer les nouveaux caractères que vous voulez. Donc, je ne vois pas trop. On va mettre nouveau parce que je ne vois pas trop ce que c'est comme caractère. Voilà. Et vous êtes obligé donc de répéter les caractères ici. M, M, R, S, V, S. Voilà. M'envoyer des offres. Si vous pouvez vous désabonner à tout moment. Cliquez sur Créer un compte. Créer un compte ici. En cours. Ça se fait et voilà mon autre adresse mail qui s'appelle sur outlook.com et mon adresse, vous voyez ici Robin des Bois et le premier message de l'équipe outlook.com qui me dit bienvenue dans votre nouvelle boîte de réception Outlook.
Voilà comment se créer notre boîte mail sur Outlook. Et je vous montrerai plus tard comment on s'en sert, bien évidemment. Je clique donc sur mon nom qui se trouve ici et je vais me déconnecter. À bientôt pour un autre tutoriel pour apprendre à utiliser ces boîtes mail Yahoo, Gmail, Outlook, afin que vous puissiez comprendre comment ça marche. À bientôt.